La vie est une chose hideuse, et à l'arrière plan, derrière ce que nous en savons, apparaissent les lueurs d'une vérité démoniaque qui nous la rendent mille fois plus hideuse. La science, dont les terribles révélations déjà nous accablent, sera peut-être l'exterminatrice définitive de l'espèce humaine, en admettant que les êtres appartiennent à des espèces différentes, et si elle se répandait sur la Terre, Nul cerveau n'aurait la force de supporter les horreurs insoupçonnées qu'elle tient en réserve. Si nous savions ce que nous sommes en réalité, nous agirions comme Sir Arthur Jermyn, qui, un soir, après s'être arrosé de pétrole, mit le feu à ses vêtements. Nul ne s'avisa de déposer dans une urne ses restes carbonisés, ni d'édifier un monument à sa mémoire. Les documents trouvés après sa mort, ainsi qu'un certain objet contenu dans une caisse, donnèrent à tout le monde le désir d'oublier. Parmi ceux qui le connaissaient, certains même déclarent qu'il n'a jamais vécu. Arthur Germain s'enfuit dans la lande et se suicida après avoir vu cet objet venu d'Afrique. C'est cet objet et non l'aspect insolite de sa personne qui le poussa à mettre fin à ses jours. Nombreux sont ceux qui, s'ils avaient eu la physionomie étrange d'Arthur Jermyn, n'auraient pas aimé la vie. Mais lui, poète et savant, ne s'en était guère soucié. Il avait la science dans le sang. Son arrière grand-père, Sir Robert Jermyn, baronnet, avait été un anthropologue estimé, et son trisaïeul, Sir Wade Jamin, l'un des derniers explorateurs du Congo, avait laissé des travaux pleins d'érudition sur les tribus et la faune de ces régions, et sur ce qu'il pensait de leur antiquité. Le zèle intellectuel du vieux Sir Wade avait vraiment confiné à la folie. L'étrangeté de ses conjectures sur une civilisation préhistorique blanche au Congo lui valut force moquerie lors de la publication de ses observations sur quelques régions de l'Afrique. En 1765, l'intrépide explorateur fut enfermé chez les fous à Huntingdon. La folie était le triste apanage de tous les Jamies, et l'on se réjouissait qu'ils ne fussent pas nombreux. La famille n'avait qu'une branche, dont Arthur était le dernier rejeton. Sinon, on ne sait comment il aurait réagi quand l'objet arriva. Les Jermyn n'avaient jamais eu l'air normal. Ils étaient légèrement difformes. Mais Arthur était le plus mal loti. Pourtant, on voyait à Jermyn House de vieux portraits de famille, datant d'avant Sir Wade, qui montraient d'assez beaux visages. Sir Wade fut sans aucun doute le premier des Jermyn à subir les atteintes de la folie. Ses récits terrifiants sur l'Afrique faisaient à la fois la joie et l'horreur de ses amis. Les trophées et les spécimens de sa collection, d'autre part, n'étaient pas de ceux qu'un homme normal eût aimé rassembler et conserver. Mais surtout, la réclusion quasi-orientale dans laquelle il tenait sa femme était bien la marque d'un esprit dérangé. Celle-ci, disait-il, fille d'un négociant portugais qu'il avait connu en Afrique, n'aimait pas les manières anglaises. Il l'avait ramenée de là-bas avec leur fils nouveau-né après son second voyage le plus long. Lorsqu'il partit pour la troisième fois, elle l'accompagna et ne revint pas. Personne ne l'avait jamais vue, pas même les domestiques, car elle était d'un naturel violent et singulier. Pendant son bref séjour à German House. Elle demeura dans une aile isolée de la maison où seul son mari s'occupait d'elle. La sollicitude de Sir Wade envers sa famille était en vérité des plus curieuses. Lorsqu'il retourna en Afrique, il ne permit à personne de prendre soin de l'enfant sauf à une affreuse négresse originaire de Guinée. À son retour, après la mort de Lady Germaine, il assuma lui-même entièrement l'éducation de l'enfant. Or, la conversation de Sir Wade, surtout lorsqu'il avait bu, incitait fortement ses amis à le croire fou. Il parlait du Congo, où la lune éclaire des scènes étranges et des spectacles sauvages d'une ville abandonnée sainte de remparts gigantesques et remplie de colonnes, et d'un interminable escalier de pierre humide et silencieux, Descendant vers des salles voûtées pleines de trésors et d'extraordinaires catacombes. Au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, de tels propos paraissaient insensés dans la bouche d'un homme instruit. Plus bizarres encore étaient ces divagations sur les êtres vivants qui hantaient cet endroit, créatures appartenant moitié à la jungle et moitié à la ville sans âge. Créature fabuleuse qu'impline lui-même aurait décrite avec scepticisme. Elles auraient surgi lorsque les grands singes eurent envahi la ville morte, détruisant ses remparts et ses colonnes, ses salles voûtées et ses sculptures primitives. Pourtant, l'espèce de plaisir trouble avec lequel Sir Wade, une fois définitivement revenu en Angleterre, parlait de tout cela donnait le frisson. Il s'étendait avec complaisance surtout après son troisième verre à la tête du chevalier, sur ce qu'il avait trouvé dans la jungle, sur la vie qu'il avait menée dans d'étranges ruines connues de lui seul. Finalement, il se mit à parler de ces fameuses créatures vivantes sur un tel ton qu'on dut l'interner. Une fois enfermé dans une cellule garnie de barreaux, à Huntingdon, il ne témoigna que peu de regrets. Son humeur avait singulièrement changé dans les derniers temps. Depuis que son fils était sorti de la première enfance, il se plaisait de moins en moins chez lui, et semblait même craindre de s'y trouver. La tête du chevalier était devenue son quartier général, et lorsqu'on l'enferma, il fit montre d'une espèce de reconnaissance, comme s'il se sentait protégé. Il mourut au bout de trois ans. Philippe, Fils de Wade Jamin, était un personnage extrêmement curieux. En dépit d'une forte ressemblance physique avec son père, son aspect et son comportement étaient, sur beaucoup de points, si grossiers que tout le monde le fuyait. S'il n'avait pas hérité la folie de son père, comme on aurait pu le craindre, il était totalement stupide et sujet à de brefs accès de violence auxquels il ne pouvait résister. Il était petit, mais extrêmement fort, et d'une agilité incroyable. Douze ans après être devenu l'héritier du titre, il épousa la fille de son garde-chasse, qui, disait on, était d'origine gitane. Mais avant même la naissance de son fils, il s'engagea dans la marine comme simple matelot, mettant ainsi le comble au dégoût qu'inspiraient au monde, et ses mœurs, et son mariage on retrouva sa trace à la fin de la guerre de l'indépendance américaine. Matelot sur un navire qui faisait le commerce avec l'Afrique, il s'était acquis une réputation de grimpeur et de lutteur, mais il finit par disparaître, une nuit que son bateau était à l'ancre près des côtes congolaises. Chez le fils de Sir Philippe Jamin, la bizarrerie de la famille, maintenant reconnue, prit un tour étrange et fatal. Grand, assez bien fait, en dépit de certaines anomalies de proportion, doué d'une sorte de grâce orientale, Robert Jamin débuta dans la vie comme savant et chercheur. C'est lui qui, le premier, étudia scientifiquement l'immense collection rapportée d'Afrique par son grand père, et qui rendit le nom des Jamin aussi célèbre dans le domaine de l'ethnologie que dans celui de l'exploration. Marié en 1815 à une fille du troisième vicomte Brightholm, Sir Robert eut trois enfants, dont jamais l'aîné ni le Benjamin ne parurent en public, en raison de leur déficience physique et mentale. Attristé par tous ces malheurs familiaux, le savant chercha consolation dans le travail et fit deux longues expéditions dans le centre africain. En 1848, son second fils Neville, personnage particulièrement antipathique qui semblait mêler la brutalité de Philippe Jermyn à la Morgue des Brightholm, s'enfuit avec une fille du commun, une danseuse. Il revint au bout d'un an, veuf et père d'un enfant, Alfred, et Sir Robert lui accorda son pardon. Alfred devait être le père d'Arthur Jermyn. D'après ses amis, cette série de chagrins dérangea l'esprit de Sir Robert Germain pourtant à l'origine du drame, il n'y eut sans doute qu'un simple détail de folklore africain. Le vieux savant avait recueilli une foule de légendes chez les Ongas, tribus voisines de l'endroit que son grand père et lui même avaient exploré. Il espérait ainsi expliquer les étranges récits de Sir Wade sur une ville abandonnée, peuplée de créatures hybrides, on découvrait dans les écrits de l'aïeul une certaine logique qui laissait entendre que son imagination déréglée avait été excitée par certains mythes indigènes. Le 19 octobre 1852, on vit arriver à Germin House l'explorateur Samuel Seaton, porteur de documents recueillis chez les Hongas. Il lui semblait que certaines légendes ayant trait à une ville grise, peuplée de singes blancs, soumise à l'autorité d'un dieu blanc, pourrait avoir quelque valeur aux yeux d'un ethnologue. Au cours de la conversation, il fournit probablement de nombreux détails supplémentaires dont nous ne connaîtrons jamais la nature, puisque la tragédie éclata immédiatement. Lorsque Sir Robert sortit de sa bibliothèque, il laissait derrière lui le cadavre de l'explorateur qu'il avait étranglé de ses propres mains puis, avant qu'on eût pu l'arrêter, il avait massacré ses trois enfants. Les deux qu'on n'avait jamais vus et celui qui était rentré après sa fugue. Neville Jamine mourut, mais réussit à sauver la vie de son fils âgé de deux ans, que le vieillard, dans sa folie meurtrière, s'apprêtait à tuer également. Après plusieurs tentatives de suicide, Sir Robert, qui refusait obstinément d'articuler une parole, Fut interné et mourut d'apoplexie deux ans après. Sir Alfred Jermyn n'avait pas encore quatre ans lorsqu'il devint baronnet, mais ses goûts ne répondaient guère à son titre. À vingt ans, il s'était joint à une troupe d'artistes de music-hall et à trente-six, avait abandonné femme et enfant pour suivre un cirque ambulant américain. Sa mort fut atroce. Parmi les animaux du cirque se trouvait un énorme gorille, d'une couleur plus claire que la moyenne, d'un naturel remarquablement facile et que les artistes aimaient beaucoup. Il fascinait tout particulièrement Alfred Jermyn, et parfois tous deux passaient des heures à se contempler de part et d'autre des barreaux de la cage. De temps à autre, Jermyn obtenait la permission de dresser l'animal, étonnant le public et ses camarades par les tours qu'il lui faisait faire. Un matin, à Chicago, pendant que Jermyn et l'animal répétaient un numéro de boxe extraordinairement adroit, le gorille porta au dompteur amateur un coup d'une force prodigieuse, le blessant à la fois dans son corps et dans sa dignité. Les membres du plus extraordinaire spectacle du monde, N'aimait guère parler de ce qui arriva ensuite. Il ne s'attendait pas au hurlement aigu et inhumain que poussa Sir Alfred Jermyn, et la surprise les cloua au sol quand ils le virent saisir à deux mains son adversaire maladroit, le jeter sur le sol de la cage, et mordre férocement la gorge velue. Le gorille fut pris au dépourvu, mais il se ressaisit rapidement, et avant que le dompteur habituel eût pu intervenir, ce qui avait été le corps d'un baronnet n'était déjà plus reconnaissable. Arthur Jermin était le fils de Sir Alfred Jermin, et d'une danseuse de music hall dont nul ne connaissait l'origine. Lorsque Sir Alfred abandonna sa famille, la mère amena l'enfant à Jermin House, où il ne restait plus personne pour s'opposer à sa présence. Elle avait quelque idée de ce que devait être un gentilhomme, et veilla à ce que son fils reçût la meilleure éducation possible, compte tenu du peu d'argent dont elle disposait. Les ressources familiales étaient maintenant bien modestes, et Germin House était dans un état lamentable, mais le jeune Arthur aimait la vieille demeure et ce qu'elle contenait. Il ne ressemblait guère aux autres Germin. C'était un poète et un rêveur. Quelques familles des environs prétendaient que c'était le sang latin de l'épouse portugaise de Sir Wade, que nul n'avait jamais vu, qui devait se manifester en lui de la sorte. Mais en général, on tournait en dérision son sens de la beauté, l'attribuant à sa mère, la danseuse, qui n'avait jamais été reçue dans le monde. La délicatesse d'Arthur Jermyn était d'autant plus remarquable que son aspect était plus repoussant. La tournure des Jermyn avait toujours eu un je ne sais quoi de bizarre et de rebutant. Cela atteignit, chez Arthur, une intensité troublante. Il est difficile de dire exactement à quoi il ressemblait, mais son expression, la forme de son visage et la longueur de ses bras faisaient frissonner de dégoût ceux qui le voyaient pour la première fois. L'esprit et le caractère de Sir Arthur étaient en contraste frappant avec son aspect physique. Intelligent et cultivé, il obtint à Oxford les plus hautes distinctions et semblait capable de faire revivre la renommée intellectuelle de sa famille. Malgré un tempérament plus poétique que scientifique, il projetait de continuer l'œuvre de ses ancêtres dans le domaine de l'ethnologie et des antiquités africaines, en utilisant l'admirable collection de Sir Wade son esprit imaginatif le poussait à s'intéresser à la civilisation préhistorique à laquelle l'explorateur fou avait cru si profondément. Il forgeait des récits sans fin, et y entrait à la ville morte, citée dans les notes et les ouvrages de Sir Wade. Il éprouvait, vis-à-vis -vis de la race inconnue des hybrides de la jungle, un attrait mêlé de terreur. Il pensait que ces élucubrations avaient peut-être une base réelle, et désirait faire la lumière sur les faits récents qu'avaient connus son grand-père et Samuel Seaton. En 1911, après la mort de sa mère, Arthur Germain décida de poursuivre ses recherches jusqu'à la dernière limite. Il vendit une partie de ses domaines pour avoir de l'argent, monta une expédition et s'embarqua pour le Congo. Ayant obtenu des autorités belges un groupe de guides, il passa un an dans le pays des Hongas et des Kaliris, Découvrant plus d'éléments d'information qu'il n'en espérait. Chez les Calyris, il rencontra un chef d'un certain âge, appelé Moinou, qui non seulement possédait une excellente mémoire, mais encore une grande intelligence et un intérêt marqué pour les vieilles légendes de sa tribu. Le vieillard confirma tous les récits qu'avait entendu Germine, ajoutant sa propre version à l'histoire de la cité perdue et des grands singes blancs. Selon nous, la ville grise et les créatures hybrides n'existaient plus, les Nbangus les ayant anéantis de nombreuses années auparavant. Après avoir détruit la plupart des édifices et massacré tous les êtres vivants, ils avaient emporté la momie de la déesse pour laquelle ils étaient venus. Cette déesse, qu'adoraient les étranges hybrides, avait la forme d'un singe blanc. D'après la tradition congolaise, c'était l'image d'une princesse qui avait régné sur ces créatures à l'aspect simiesque. Ce que celle ci avait pu être, Moineau n'en avait aucune idée mais il croyait que c'était elle qui avait construit la ville aujourd'hui détruite. Djamin ne put se former aucune opinion, mais, par des questions précises, réussit à reconstituer la légende de la déesse. La princesse, disait cette légende, devint la femme d'un dieu blanc venu de l'Ouest. Après avoir régné longtemps ensemble, ils quittèrent la ville après la naissance de leur fils, et n'y revinrent que plusieurs années après. Puis la princesse mourut, et son divin époux fit embaumer son corps qui fut placé dans un temple de pierre où on le vénérait. Et ensuite il s'en retourna. À partir de ce point, la légende semblait présenter trois variantes. D'après la première, il ne se passait plus rien, mais le corps embaumé de la déesse devenait un gage de supériorité pour la tribu, quelle qu'elle soit, qui la posséderait, et c'est pourquoi les Nbangos s'en étaient emparés. La seconde décrivait le retour du dieu et sa mort au pied du tombeau de son épouse. La troisième avait trait au retour de leur fils, parvenu à l'âge d'homme, ou de singe, ou de dieu, suivant le cas, mais ignorant son identité, il était évident que l'imagination des noirs avait tiré parti au maximum des événements qui pouvaient avoir servi de base à cette extravagante légende. Arthur Germain, persuadé de l'existence de la ville décrite par Sir Wade, ne fut guère étonné lorsque, au début de 1912, il se trouva devant ce qui en restait. Elle avait dû être moins grande qu'on ne le prétendait. Pourtant, les pierres éparses prouvaient qu'elle n'avait pas été un simple village nègre. Malheureusement, on ne put découvrir aucune sculpture, et les membres de l'expédition n'étaient pas assez nombreux pour dégager le seul passage qui semblait mener aux salles voûtées décrites par Sir Wade. On questionna tous les chefs indigènes sur les singes blancs et la déesse mais c'est à un européen qu'il appartint de compléter les éléments d'information fournis par le vieux moineau. Monsieur Verheren, agent commercial belge au Congo, déclara qu'il pouvait non seulement savoir où se trouvait la déesse, dont il avait vaguement entendu parler, mais encore se la procurer. L'Inbangus, jadis si puissant, étant maintenant soumis au gouvernement du roi Albert, se laisserait facilement amener à se séparer du fétiche. Quand Germain s'embarqua pour l'Angleterre, ce fut donc avec l'espoir triomphant de recevoir dans quelques mois une inestimable relique archéologique, capable de confirmer les plus étranges récits de son trisaïeul, ou plutôt les plus étranges récits qu'il eût lui-même entendus. Les paysans, voisins de Jermin House, en connaissaient sans doute de plus étranges encore. Leurs ancêtres avaient écouté parler Sir Wade à la tête du chevalier. thank <laughs> you Arthur attendit patiemment la caisse promise par M. Verheren, tout en étudiant avec un zèle accru les manuscrits laissés par le fou, son ancêtre. Peu à peu, il se sentait très proche de Sir Wade et recherchait les traces de sa vie non seulement en Afrique, mais aussi en Angleterre. On avait beaucoup parlé de sa mystérieuse épouse, toujours enfermée, mais il ne restait aucun souvenir tangible de son passage à German House. Arthur, se demandant comment un tel effacement lui avait été imposé ou permis, pensait que la folie de son mari en était la cause principale. Il savait que sa trisaïeule, à ce qu'on disait, était la fille d'un marchand portugais installé en Afrique. Ayant par atavisme l'esprit positif et ne connaissant que superficiellement le continent noir, elle avait dû tourner en dérision les récits de son mari, chose que celui-ci n'était pas homme à pardonner. Emmenée en Afrique, peut-être malgré elle, par un mari décidé à prouver la véracité de ses dires, elle y était morte. Tout en se livrant à de telles réflexions, Germin ne pouvait s'empêcher de sourire de leur futilité, un siècle et demi après la mort de ses curieux ancêtres. En juin 1913, il reçut une lettre de M. Wehrherren qui racontait la découverte de la déesse embaumée. C'était, affirmait le Belge, un objet des plus extraordinaires, un objet qu'il était impossible à un profane de classer. Seul un savant serait capable de décider s'il s'agissait d'un être humain ou d'un singe, et cette décision serait malaisée en raison du mauvais état de l'objet. Le temps et le climat du Congo ne sont pas favorables aux momies, en particulier quand le travail a été fait par un amateur, comme cela paraissait le cas. Autour du cou de la créature, on avait trouvé une chaîne d'or avec un médaillon armorié, seul vestige sans doute d'un malheureux voyageur pris par l'Inbangus, et placé là comme amulette. Dans ses commentaires, M. Vereren faisait malicieusement allusion à une ressemblance, ou plutôt il se demandait, avec un étonnement amusé, quel effet les traits de la momie produiraient sur son correspondant. Mais il prenait trop d'intérêt à l'aspect scientifique du problème pour se perdre en considération oiseuse. La déesse, écrivait-il, arriverait, dûment emballée, un mois environ après réception de la lettre. La caisse, arrivée à Jermin le 3 août 1913, dans l'après-midi, fut portée immédiatement dans la vaste pièce qui abritait les spécimens africains Disposés par les sœurs Robert et Arthur. La suite des événements nous est connue par les papiers et les objets qu'on examina plus tard, mais surtout par les récits des domestiques, dont le plus cohérent et le plus complet est celui de Saums, le vieux majordome. Suivant ce digne serviteur, Sir Arthur, d'abord, fit sortir tout le monde de la pièce. Puis des bruits de marteaux et de tenailles ne tardèrent pas à prouver qu'il s'était mis en devoir d'ouvrir la caisse. Ensuite, on n'entendit plus rien pendant un certain temps. Combien de temps exactement Soames n'aurait su le dire, mais un quart d'heure ne s'était pas écoulé qu'un hurlement affreux se faisait entendre, poussé sans aucun doute possible par Germin. Aussitôt après, on le vit sortir en courant de la pièce et se précipiter vers le devant de la maison, comme s'il eût été poursuivi par un ennemi féroce. L'expression de son visage, déjà assez effrayante en temps normal, défiait toute description. En approchant de la porte d'entrée, il sembla frappé d'une idée, retourna brusquement sur ses pas, et finit par s'élancer dans l'escalier de la cave. Les domestiques, qui s'étaient massés en haut des marches, ne virent point revenir leur maître. D'en bas venait seulement une odeur de pétrole. Lorsqu'il fit nuit, on entendit gratter à la porte qui menait dans la cour, et un garçon d'écurie aperçut Arthur Jamin. Le pétrole dont ses vêtements étaient imprégnés répandait une odeur nauséabonde. Il sortit furtivement et disparut dans la lande obscure qui entourait la maison. Puis, dans un paroxysme d'horreur, ce fut la fin. Une étincelle jaillit, puis une flamme, et bientôt une colonne de feu, qui avait été un homme, s'éleva jusqu'au ciel. La famille des Jamin n'existait plus. Pourquoi ne recueillit on point les restes carbonisés à cause de ce qu'on trouva dans la caisse. La momie de la déesse, hideuse, desséchée et rongée, était visiblement celle d'un singe blanc, d'une espèce ignorée, moins velue que les autres et beaucoup plus proche de l'être humain. En fait, cet air humain était presque choquant. Une description détaillée serait assez déplaisante. Mais deux détails cependant sont à citer, car ils concordent de manière frappante avec certaines notes prises par Sir Wade au cours de ses expéditions et avec certaines légendes congolaises. D'abord, les armoiries gravées sur le médaillon étaient celles des Germans. Ensuite, la remarque malicieuse de M. Wehren quant à une certaine ressemblance s'appliquait horriblement, abominablement. Au visage sensible d'Arthur Jermyn, descendant de Sir Wade Jermyn et de son épouse inconnue. Les membres de l'Institut royal d'anthropologie brûlèrent la momie et jetèrent ses cendres dans un puits. Quelques-uns d'entre eux refusent d'admettre qu'Arthur Jermyn ait jamais existé.